petit chaton, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la vidéo budget. Alors, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. En fait, vous savez que j'avais quelqu'un à la maison. Et pour trouver un moment pour faire des vidéos, c'était un petit peu compliqué, hein. Donc, du coup, on se retrouve pour clôturer ce mois de novembre. Alors, vous allez voir, c'est pas folichon. Alors, ce qui nous reste. Et pas grand-chose. Hop. On va enlever tout ça. Donc, en course, j'ai tout retiré. En chat, j'ai tout retiré. Hygiène aussi. Bon, l'école, il me reste encore le mois de janvier. Ça, je vous expliquerai ce que c'est après. Hop, mais on va les retirer. Hop. Pharmacie, plus rien. Maison, plus rien. Loisirs, plus rien. Et resto, plus rien. Voilà, c'est la dèche. Alors, il nous reste 2, 3, 50, 55, 56, 57, 58. Donc, 2,58. Et en vrai, petite pièce, il nous reste 5, 6, 7, 75, 77 centimes. Alors, on va regarder dans les économies. Alors, vous allez voir, il n'y a plus rien. Voilà, les billets sont partis. Donc, j'ai utilisé tout ce que j'avais mis dans les économies. De toute façon, ça allait aller dans l'enveloppe Noël. Donc, j'ai commencé à faire mes achats de Noël. Donc, j'ai utilisé ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Tout simplement, à part les pièces. Donc, hier, j'ai tiré mon petit dé. Donc, il faut que je mette 27 centimes. Je vais mettre 27 centimes. Alors, faire de la monnaie. Même si on va tout mettre, mais... Voilà. Donc, tic, tic, tic. Voilà. 25. 27 centimes. On les met dedans. Voilà. Et il nous reste en tout 3,31 €. Je vais juste noter ça. Donc, économie semaine 4, 3,31 plus 27. Donc 3,58 €. Donc au total, ce mois-ci, nous avons économisé, je vais faire le calcul, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 12, 5, 6, 66,23 €. C'est pas mal quand même, c'est pas mal, hein. En sachant que j'ai dépensé une bonne partie pour les cadeaux de Noël, mais bon. Et en tout, avec, sans compter ce que j'ai dépensé, du coup, il me reste de... Donc là, on va pouvoir sortir un billet de 5. Je change en même temps. Hop. Ce sera plus facile à calculer. Donc là, ça fait 1 €. 2, 4, voilà. Donc il nous reste 6,50 € en tout. Six euros cinquante qui me reste sur ce que j'avais économisé, donc sur 66,23 € que j'avais mis dans l'enveloppe. Oui, j'ai utilisé le reste pour les cadeaux de Noël. Donc je vous montre pas les cadeaux de Noël parce que
Bah, il y a des personnes qui regardent les vidéos où leurs cadeaux sont dedans, donc je vais pas vous les montrer. Mais ça, du coup, je vais faire un petit virement pour les mettre de côté. Et les 6,50 euros, je les mets dans une enveloppe. Je sais pas dans quoi je pourrais les mettre. Je ne sais pas. Je vais laisser là et je pense que je vais me créer une nouvelle enveloppe. Je vais créer une nouvelle enveloppe pour le mois prochain. Je vais réfléchir où je vais pouvoir les mettre. Si je remets pas. Oh, pardon. Je viens de vous shooter encore. Je vais remettre dedans. Voilà. Alors, maintenant. Donc là, les petites pièces qui sont là, je pense que je vais les donner à mes enfants. Voilà, pour mettre dans leur tirelire. Et ça, c'est ce qui me reste en fait de l'argent, les 30 euros que j'avais en espèces pour acheter les cadeaux de Noël. Voilà, c'est ce qui me reste. Alors maintenant, remplissons le budget pour le mois de décembre. Alors, j'ai déjà un petit peu préparé. Hop, voilà. Alors, voilà. Nous sommes sur le mois de décembre, donc j'ai tout mis. Franchement, je vous cache rien parce que, bah, de toute façon, voilà, hein. Ce mois-ci, j'ai un bon salaire, franchement. Je suis contente de mon salaire, là. C'est vrai que j'avais pas la CAF pendant un petit moment, donc déjà, ça, je l'avais pas. Mais vu que j'ai commencé un nouveau contrat, c'est vrai que là, niveau salaire, je suis plutôt contente. Voilà. Donc je suis à 1007. J'ai mis ici tous mes dépenses fixes. Donc vous voyez, donc je verse 50 euros sur le compte commun. J'ai 75 euros de téléphone, internet, etc. J'ai tout englobé. Mes abonnements en tout genre. Donc ça va de Canva, Cricut, Netflix, Amazon. Enfin, pas Amazon, mais Disney+ et tout ça, j'en ai pour 50 euros. Pour la boutique, pour le site internet, je paye aux alentours de 20 euros. L'assurance, 22 euros, qui va bientôt, normalement, au mois de janvier, je vais essayer de la résilier. Mon abonnement assistante maternelle, donc c'est un abonnement pour avoir des activités et tout ça sur le français et sur l'anglais. Donc je paye 7 euros et quelques, donc j'ai arrondi à 7. Mes frais de carte, de banque et tout ça. Pareil, tout ça, ça arrondit. Hein. C'est un petit peu moins, mais j'ai mis un petit peu plus. La capoeira, c'est le dernier mois où je paye mes. Enfin, dernier mois, oui et non. Parce que mon fils veut faire de la capoeira aussi. Donc, il va falloir que je paye son abonnement à partir de janvier. Et les dettes, voilà, j'en ai pour 70 euros. Du coup, j'ai calculé. Voilà, mon salaire, dépenses fixes. Donc ça, je sais que, en fait, ça c'est fixe tout le temps et ça c'est juste pendant quelques mois. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en plus. Il me reste donc 1295 pour vivre. C'est beaucoup. C'est beaucoup. D'habitude, j'ai pas autant. Là, je suis tellement contente. Du coup, j'ai tout calculé. Voilà, pour les cours, j'ai prévu 400 euros pour le mois, 20 euros pour l'entretien, 10 euros pour les chats. 40 euros resto, donc j'ai mis un petit peu plus parce que 20 euros ça nous suffit pas. Loisirs, 80 euros, donc 20 euros par semaine. Voilà, on va être en période de Noël, donc je vais emmener mes enfants au village de Noël, enfin des petites choses comme ça. Donc j'ai prévu un petit peu plus. Pour la maison, j'ai prévu 20 euros. On doit changer la chasse d'eau, donc bah ça va faire partie des 20 euros. Pharmacie, 10 euros. On ne sait jamais. Chéri, 10 euros. Il a repris le travail. Donc, il va lui falloir des pièces. Je vais devoir aller chercher de l'espèce. Pour la boutique, je prévois un budget de 50 euros s'il faut que je rachète des feuilles, du vinyle, des enveloppes, etc. Mon planeur, pas celui-ci, mais mon planeur, je prévois 90 euros. Alors, vous allez me dire, c'est beaucoup. Mais c'est mon petit plaisir à moi. Donc, c'est pas 90 euros que je paye. C'est beaucoup moins, mais on ne sait jamais si j'ai envie de m'acheter des petits stickers en plus. C'est toujours voilà, c'est cette boutique-là, vous voyez, j'ai encore tout ça.
j'ai pas utilisé, mais en fin de compte, vu que c'est une semaine, une déco, je vais les utiliser autre part, mais pas dans mon planeur. Bref, imprévu, j'ai quand même prévu pour les imprévus 20 € et pour Noël 150 €. En sachant que tout ça, c'est en carte bancaire, à part Chérie, où je vais retirer 10 € pour lui faire en espèces. Du coup, pour les dépenses variables, j'en ai pour 900 € et il me restait donc 395 € à mettre en épargne. Donc, j'ai un remboursement de 300 €. Donc là, j'ai décidé de mettre 100 € parce que je peux me le permettre. Fonds d'urgence, toujours 20 €. Les anniversaires, je mets 40 € parce que, en fin de compte, en janvier, j'ai l'anniversaire de mon chéri. Et donc, c'est le dernier mois où je peux mettre. Donc, j'ai décidé de mettre ce qui me manque. Pour l'école, 20 € pour le projet avec mon chéri, j'ai décidé de mettre 20 € et pour le bois l'année prochaine, j'ai décidé déjà de mettre 10 €. Donc ça fait pas 395, ça fait 210, mais je préfère laisser un petit peu d'argent sur le compte, on ne sait jamais. Voilà. Du coup, je vais remplir quand même mes enveloppes pour cette semaine. Oh, j'ai perdu une fausse pièce. Alors, je nettoierai les trackers après. Je vais vous mettre ça là, comme ça on va pouvoir le remplir. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Bon, je ne sais pas où ça a coupé, mais ça a coupé. Du coup, je crois que je vous avais expliqué ça et que nous allons remplir mon budget pour ce mois-ci, le mois de décembre. Donc, pour les dépenses variables, nous avons besoin de 900 €. Donc, on va faire de la monnaie après, mais déjà, on va enlever 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc, ça, c'est. On voit rien. Attendez. Voilà. Donc, ça, c'est le budget. Tic. Pour les dépenses variables. Après, j'ai calculé pour du coup en épargne 210 €. Donc 200 et 10 €. Voilà. Donc ça, c'est mon épargne. On va peut-être commencer tout de suite à mettre en épargne. Ça pourrait être pas mal. Alors, pour mon épargne, nous avons. En fonds d'urgence, nous avons prévu de mettre 20 €. Donc je vais déjà faire de la monnaie. Alors, 5. Donc, j'ai bien 200 normalement, 100 et 200. Voilà. Donc, en épargne, nous avons 20 € en fonds d'urgence. Donc là, nous avons 30 €. Je coche mes petits billets de 10. Voilà, j'ai mis 20 €. Donc tout ça, je fais un virement et je mets sur un livret en fait que je ne touche pas. Vraiment, je le touche vraiment si il y a une urgence quoi. Fonds d'urgence, ok. Noël, pour l'instant, je ne mets rien. J'ai tout dépensé. Je remettrai, je pense, à partir de janvier. Donc maman, c'est les anniversaires. J'ai dit que je mettais 40 €. Donc je vais mettre le billet de 5 parce que j'ai déjà mis 10 €. Vous voyez, j'ai déjà 10 €. Donc, vu qu'il faut que je mette 40 €, voilà. On a mis les 40 € plus 10 €. Ça nous fait bien 50 €. Et du coup, ça sera pour l'anniversaire de mon chéri que je prévois 50 €. Donc, le prochain anniversaire à remplir, ça sera la petite Léana.
Après, l'école, 20 euros. Peut-être mettre un billet de 20, ça sera mieux. Donc on a dit 20 euros, hop, hop. Ok. Il nous reste donc mon remboursement de 50 euros. Voilà. Et du coup, il me reste mon projet avec mon chéri et le bois. Donc ça, je vais le mettre pour l'instant dans une enveloppe vierge parce que je n'ai pas encore les enveloppes, je ne les ai pas créées. Donc je vais les mettre dedans. C'est prévu, je vais bientôt les faire. Hop. Donc pour ce qui est de l'épargne, c'est fait. Maintenant, nous allons passer à mes enveloppes de la semaine. Alors, hop, 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 je vais faire déjà un petit peu de monnaie, parce que ça, j'en suis sûre. Alors, pour les courses, il nous faut 400 euros. Donc, 100, 200, 300, 400 euros. En sachant que je ne dépense que 100 euros par semaine dedans. Voilà. Maintenant, on va faire de la monnaie sur ça. Donc, il nous faut 8. J'espère que je vais avoir assez. Je regarde en même temps ce que je dois prendre. J'ai plus assez de monnaie. J'ai plus assez de billets. C'est bête. Bon, on va voir. Attendez. On va faire ça. Alors, pour les courses, on est bon. On est à 50, à 100 euros. Parfait. Pour les chats. Enfin, je me rachète un set de faux billets. Pour les chats, il me faut 10 euros. Donc, hop, on va utiliser 10 euros. Hein. Pour l'hygiène, nous sommes à 20 euros. Voilà. Pour chéri, 10 euros. Donc je vais mettre des pièces, comme ça je saurai qu'il faut que j'aille faire de la monnaie. 2, 4, 6 et 8. 9, 10. Ça pourrait être pas mal. Voilà, je mets des fausses pièces, comme ça me dira qu'il faut aller faire de la monnaie. Pharmacie, donc 10 euros. Voilà. Maison, il me faut 20 euros. Loisirs, nous sommes à 80 euros. Alors normalement, je voulais faire 20 euros par semaine. Mais bon. Ça fait rien, je vais mettre les 80 euros directement. 5, 6, 7, 8. On verra quand j'aurai un peu plus de monnaie, hein, on va dire. Resto, nous sommes à 40 euros. Donc 20, 30,
40. Ça marche. Et là, il me manque des enveloppes que je n'ai pas encore fait. Mais on va mettre, pardon, je viens de vous shooter encore une fois, des vierges. Encore une fois, je vais y arriver. Donc, il nous manque pour la boutique. Hop. Donc, pour la boutique, on a dit 50. Oui, c'est ça, 50 euros. Donc, la boutique, ça concerne tout ce qui est envoi, achat de nouvelles enveloppes, achat de nouveaux vinyles, etc. Donc, 50 euros. Ça, c'est la boutique. Pour mon planeur, c'est 90 euros. En sachant que j'en ai jamais pour 90 euros, j'en ai plus aux alentours de 75 euros, un truc comme ça. Donc je sais qu'il va me rester de l'argent pour le planeur, mais je préfère quand même voir un petit peu plus large. C'est comme ça qu'on fait des économies. Donc planeur 90 euros, donc 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Après, on a les imprévus à 20 euros et Noël à 150 euros. Alors, ce qu'on va faire, c'est, je pense, je vais mettre Noël et imprévus dans la même enveloppe parce que là, j'ai pas assez de billets. Tout simplement. Donc, si je mets Noël plus imprévu, j'en ai pour 170 euros. Mais je ne les ai pas en fait. Donc je vais mettre 200. Écoutez. Voilà. Et ben les imprévus, j'aurai 50 euros. Je sais que je peux me le permettre. Donc 150 euros pour Noël et 50 euros pour l'imprévu. Voilà. Il faut vraiment que je me retrouve des billets. Donc ça c'est mon petit planeur pour ce mois-ci, il est rempli, c'est bon. Donc c'est mon planeur, en fait il reste là maintenant. Avant en fait je l'ai vachement abîmé, j'avais un, comment dire, un attrape-rêve dessus. Et à force de le mettre dans mon sac, je l'ai abîmé, du coup il reste ici. Et vu que maintenant je prends que ma carte bancaire et mes petits trackers, voilà, je fais après, je modifie ici avec les pièces. Donc voilà pour mon mois qui est préparé. Il faut que je change ici, il faut que je mette du coup 50 euros et que je recalcule ici ce qui va me rester. Sinon, ben voilà, c'est terminé hein, pour ce mois-ci. Alors, des petites annonces de fin de vidéo. Sachez que actuellement sur la boutique, vous avez un jeu gagnant. Voilà. Pour tout achat que vous allez faire sur la boutique, vous allez recevoir une petite carte comme ceci à gratter. Donc là, c'est à gratter. Et dedans, vous allez avoir un petit cadeau. Vous allez pouvoir gagner un petit cadeau. Donc ça va d'un bon d'achat de 5 euros, 10 euros. Vous avez des bons de réduction aussi de 5 et 10% sur toute la boutique. Et en plus, vous avez un gros classeur comme ceci. Hop. Voilà. Le classeur A5, sans la trappe rêve, mais le classeur A5 a gagné. Donc il y en a un à gagner dans les petites cartes que vous allez recevoir. Donc je ne sais pas où est le classeur, vous voyez, tout est fermé, mais il est là. Je ne sais pas lequel c'est. Autre chose, vous avez vu ici le planeur 2022. Hop, je vous montre, la caméra est vachement basse aujourd'hui. Mais le planeur 2022 qui est encore en cours de préparation. Mais il sort le 1er décembre. Voilà. Donc vous pouvez très bien le prendre en PDF. Ou alors vous pouvez le recevoir directement chez vous, percé, etc. En format A4 et A5. Voilà. Donc je vous montre vite fait. Donc on a un calendrier 2022.
pour prévoir son budget de l'année. Mais je pense que je vous referai une vidéo où on voit un petit peu mieux. Les jours où on ne dépense pas, les trackers épargne, hop, de toute l'année, finir avec son découvert, tracker de dette. Donc il y a les budgets, vous allez en recevoir, budget du mois, donc il suffit de mettre le mois et de tout remplir. Tracker CB, donc moi là j'en ai imprimé qu'une, mais je vais en imprimer plusieurs vu que j'ai plusieurs comptes CB. Et après, vous avez tous les mois, donc janvier, février, etc., qui sont notés. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi? Un tracker d'épargne, tout simple. Et des défis. Donc là, vous allez pouvoir retrouver pas mal de défis à faire. Voilà. Et moi, je me suis mis à la fin des petites pages notes. Mais je vous réexpliquerai tout ça quand il sortira, c'est-à-dire le 1er décembre. Sachez qu'à partir du 1er décembre, nous allons avoir une vidéo par jour. Pas forcément budget, mais une vidéo par jour jusqu'à peut-être Noël, voire 31 décembre. On verra. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Voilà, bon, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous, mes petits chatons, et à très bientôt!